au jeu avec son frère. Son frère ne savait pas comment il pensait, ce qu'il pensait de lui. Mais Dieu, lui, il voyait le cœur de Caïn. Il vient dire à Caïn, fais attention, comment tu penses. On ne pensait pas encore qu'il devait. Tu ne sais pas là où une pensée peut t'amener. Si tu penses mal, il faut faire très attention. Caïn ne le savait pas. Il ne savait pas qu'un jour, il devait commettre le premier meurtre de l'humanité. Il ne savait pas ça. Mais il a commencé à mal penser. Et Dieu, le voyant, dit, fais attention, Caïn. Il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, quelque chose de mal va se passer. Et malheureusement, comme Caïn n'a pas veillé sur son cœur, il a commis un meurtre. Il est de notre responsabilité plutôt de savoir garder nos cœurs. Le cœur est l'élément essentiel de décision, d'action. Lorsque tu veux poser un acte, tu vas d'abord penser. On pense dans le cœur. Lorsque tu veux faire du bien, tu penses dans le cœur. Lorsque tu t'inquiètes, c'est dans le cœur. Lorsque y a des troubles, c'est dans le cœur que tu ressens ces choses-là. Mais Dieu te dit que ce cœur-là est à garder. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit assailli par tant de choses qui peuvent te pousser à mal agir. Il est question ici de nous aider à ne pas mal agir. De nous aider à bien penser. De nous aider à générer les sources de la vie à travers nos cœurs. Alléluia. Dieu fait bien de nous le dire. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Comprends source de la vie comme une bonne inspiration que Dieu peut te donner pour construire une maison. Une bonne inspiration que Dieu peut te donner pour monter un projet. Une bonne inspiration que Dieu peut te donner pour aller rendre visite à quelqu'un qui a besoin d'aide. Une bonne inspiration qui peut te venir du cœur pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Vous voyez, lorsque nos cœurs sont assaillis par de mauvaises pensées, on ne pense pas comme Dieu. On va penser comme un homme. Le diable va venir prendre le siège de nos cœurs et va nous donner les pensées, ses propres pensées, pour qu'on agisse. Et voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que Dieu regarde à nos cœurs. Lorsque Dieu te regarde, il ne regarde pas d'abord ce que tu fais. Non, il voit l'élément essentiel. D'où te vient la motivation? Pour savoir comment, pourquoi quelqu'un agit mal, il faut seulement regarder dans son cœur ce qu'il a d'abord pensé. Qu'est-ce qu'il a pensé? Et ça se reflète par le fruit. Le fruit des actions. Amen, amen. Non, bien-aimé, le cœur est essentiel. Le cœur est essentiel. Le cœur est essentiel parce que en tant que chrétien, nous devons avoir des bonnes motivations lorsque nous agissons. Nous devons avoir des bonnes motivations dans nos relations avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos prochains. Parce que c'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas autre chose. Il regarde d'abord ton cœur. Est-ce que ton cœur est bien disposé? Même lorsque tu le sers, il y en a qui servent le Seigneur avec un mauvais cœur. On parle souvent de mauvais zèle. Tu sers le Seigneur, on te voit bien balayer l'église, mais tu le sers dans quel état? Dans quel état de ton cœur? Tu le sers avec quelle disposition de ton cœur? Tu fais du bien avec quel état du cœur? Vous savez, vous pouvez même faire du bien, mais le cœur ne répond pas à ce bien-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, vous pouvez même donner votre corps à brûler si vous n'avez pas d'amour. Vous êtes des cymbales qui retentissent. Parce que l'amour est exprimé par le cœur.
Alléluia. Non, que notre vie chrétienne soit une vie de cœur. Que tes rapports avec ton frère, avec ta soeur, soient des rapports de cœur. Quand je dis de cœur, ça veut dire des bons cœurs, des cœurs transformés par la puissance du Saint-Esprit. Des cœurs transformés pour faire avancer le royaume de Dieu. Des cœurs transformés pour servir le Seigneur. Des cœurs transformés. C'est un cœur transformé que Dieu veut utiliser. Si ton cœur n'est pas transformé, Dieu ne peut pas t'utiliser de façon efficace. Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Parce que nous pensons mal. Nous pensons pour satisfaire nos besoins. Nous sommes égoïstes souvent. Comment tu penses? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et te regarder, regarder à ton cœur, sonder ton cœur? Est-ce que je pense bien? Est-ce que je peux regarder ma soeur en face? Est-ce que je peux regarder? Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas. Il a déjà bien critiqué, même dans le cœur, il a bien critiqué. Il ne peut plus te regarder. En fait, tu te poses même la question, mais pourquoi ce frère aujourd'hui, il est trop froid avec moi comme ça? Non, mais quelque part, il t'a mangé, comme on dit, il a mangé ton nom. Pourquoi? C'est dans le cœur que ça s'est passé. Mais tu peux le camoufler. Mais il y a quelqu'un qui est là qui t'observe. Tu es là et il te regarde. On vit déjà une vie chrétienne de je ne sais pas moi, une vie chrétienne d'apparence. Parce qu'on pense que c'est ce qu'on fait de façon visible qui importe. Mais non. Même si les gens t'acclament, même si les gens t'applaudissent, même si on te donne des responsabilités, même si on dit que tu es fort, mais quand Dieu n'a pas attesté, tu n'es rien. Si Dieu n'a pas approuvé ce que tu fais, tu n'es rien. Il y en a aujourd'hui qui veulent davantage satisfaire l'homme, mais ils oublient que Dieu est là. On ne dit pas de ne pas servir l'homme, mais celui qu'il faut servir en premier, c'est Dieu d'abord. Fais d'abord la volonté de Dieu. Lorsque tu sauras servir Dieu, tu sauras servir les hommes. Mais tant que tu veux servir d'abord l'homme, en oubliant la volonté de Dieu, tous tes efforts seront vains. Tous tes efforts seront inutiles. Voilà pourquoi le cœur est important. Bien-aimé, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Comment tu vois dans ton cœur? Comment tu analyses dans ton cœur? Comment tu juges dans ton cœur? C'est ce que Dieu regarde. Il ne va pas regarder les 50 000 que tu vas donner à quelqu'un. Non, ces 50 000 seront jugés ou jaugés sur la base des pensées de ton cœur. Caïn et Abel avaient fait des offrandes, les deux. On se pose la question, mais attends, pourquoi c'est l'offrande d'Abel qui a été agréée? Pourquoi? Et pourtant, chacun, on nous demande ce sont les prémices qu'ils ont présentées au Seigneur. C'était ça. C'est la chose qu'il fallait faire, des prémices. L'un était agriculteur, l'autre était berger. Donc les deux ont porté les prémices de leurs activités. Mais Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Vous pouvez faire la même chose. La différence, c'est le cœur. Son cœur n'était pas bon. Le cœur d'Abel n'était pas bon. Plutôt, le cœur de Caïn n'était pas bon. Voilà pourquoi Dieu a rejeté son offrande. Dieu a dit son sacrifice, je n'en veux pas. Lorsque tu viens donner ta dîme chaque dimanche, est-ce que tu te dis, non, les gens là, ils sont en train de me prendre mon argent, alors que j'aurais pu faire quelque chose avec ça? Ou bien tu te dis, je viens faire un sacrifice de bonne odeur. Dieu m'a impacté.
je ne peux pas, non, non, je ne peux pas me passer de donner mon argent au Seigneur. C'est lui ma source. Mais tu ne le fais pas comme étant forcé, non. Sois libre quand tu fais l'offrande. Sois libre quand tu donnes. Que ton bienfait ne soit pas forcé, mais sois libre. Alléluia. Et tout cela vient du cœur. Quand le cœur est touché par Dieu, non, il ne réfléchit pas. Il ne se dit pas, non, on parle trop de la dîme. Il paraît qu'il y a certains hommes de Dieu qui mangent l'argent des gens, ils ne vont pas à l'école eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un business. Voilà. De quoi évoluer dans la vie. Voilà pourquoi ils viennent fonder les églises. Ils demandent l'argent aux gens. Non, tu ne vas pas penser comme ça. Ce que tu vas penser, c'est que tu as tellement été influencé par Dieu que les raisonnements d'hommes, tout ce qu'ils donnent comme raison pour ne pas donner au Seigneur, non, toi, ça ne te touche pas. Tu as une bonne raison de donner au Seigneur parce qu'il est le Seigneur de ta vie. Alléluia. Il t'a impacté. Amen, amen. C'est ça le cœur. C'est comme ça que le cœur s'exprime. Alléluia. Il y en a lorsqu'ils sont devant leur chef. Ils jouent les gentils. Ce que le chef dit, il fait. Parce que le chef se dit, bon, ça c'est un bon petit qui est là. Mais derrière le chef, c'est lui qui mange au nom du chef. C'est lui qui critique le chef. Alors que Dieu nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Obéissez même à vos maîtres, même les plus méchants. Obéissez. Obéissez. C'est-à-dire que même quand tu penses, quand tu es sur ta couche, ton chef n'est pas là. Mais tu ne le critiques pas dans le cœur. Quand tu es sorti du travail là, tu es à l'église, qu'est-ce que ton chef t'a fait? Est-ce qu'en ce moment là tu le critiques, tu dis il est méchant, il est ceci, il est cela? Comment nous pensons? Tout ça là Dieu regarde. Dieu regarde comment on voit, comment on regarde, comment on pense, comment on juge. Est-ce qu'on est hypocrite quelque part? Est-ce que lorsque tu me souris tous les jours, ton sourire est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se regarder, toi et moi? Est-ce qu'on peut se regarder? Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Le cœur. Le cœur. Lorsque nous irons, après notre pèlerinage sur la terre, Dieu dira à certains, et à certains qui vont donner comme argument, Seigneur, je t'ai servi sur la terre, j'ai fait des miracles pour toi. Mais Dieu leur dira, non, ôte-toi de moi, toi qui as commis l'iniquité. Ce que le Seigneur va regarder, ce n'est pas tant ce que tu as fait, c'est quel était l'état de ton cœur lorsque tu faisais ces choses-là. Comment tu les faisais? Tu les faisais pour satisfaire qui? Tu les faisais à la gloire de qui? À un moment donné, tu les faisais pour qui? Est-ce que tu le faisais pour Dieu? Est-ce que tu le faisais pour l'homme? Est-ce que tu le faisais pour ta propre gloire? Est-ce que tu le faisais parce que tu te dis, c'est important de le faire? Parce que Dieu aime ça. Mon père aime ça. Lorsque je le fais d'abord pour lui, pas d'abord pour moi. Même si je n'ai rien en retour, je le fais quand même. Parce que il m'a donné sa nature aujourd'hui. Non, nos cœurs, je vous assure, nos cœurs seront jugés. Nos cœurs seront mis sur la sellette. Nos cœurs seront jaugés. Chaque fois que nous faisons quelque chose, chaque fois que nous disons quelque chose, chaque fois que nous agissons,
nos cœurs sont sous-pesés. Voilà pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur peut même te freiner à un moment donné. Peut freiner ton évolution. Le cœur peut freiner tes bénédictions. La manifestation de tes bénédictions. Le cœur peut freiner ça. Lorsque ton cœur ne pense pas bien, les sources de la vie ne peuvent pas couler. Il est question de... C'est comme si notre cœur était... comment je peux dire? Un relais. C'est comme si notre cœur était comme un tuyau par lequel passent les choses, les sources. Donc ça veut dire que lorsqu'on pense mal, lorsqu'on ne le garde pas, les sources ne vont pas jaillir, les sources ne vont pas passer par là pour venir nous bénir, pour venir nous donner la vie, pour venir nous donner ce dont nous avons besoin. Et Philippiens peut dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Paix de Dieu. Qui... Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. On continue. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est parce que vous avez ôté l'inquiétude que la paix peut s'installer. Parce que vous avez ôté ce qui vous empêche de vous réjouir, que la paix peut s'installer. Mais tant que vous allez vous inquiéter, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Seigneur, mes enfants sont malades. Tu t'inquiètes. Et au moment donné, tes pensées ne seront pas renouvelées. La paix ne peut pas venir. Non. Parce que tu as pris l'inquiétude et tu as mis ça sur ton cœur. Tu as dit l'inquiétude envahit mon cœur. Et tant que l'inquiétude est là, la vie ne peut pas jaillir. La paix ne peut pas jaillir. Dieu ne le dit pas pour rien parce qu'il sait que nous sommes capables de savoir garder nos cœurs. Tu as eu peut-être une inquiétude en ce moment. Mais Dieu te dit au-delà. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que les gens ne vont même pas comprendre pourquoi tu te réjouis alors que tu es dans des problèmes. Les gens ne peuvent pas expliquer ça. Mais c'est là la différence avec un mondain. C'est ce qui fait notre différence. C'est-à-dire que toi, tu peux te réjouir dans des difficultés parce que tu sais qu'il y a la paix de Dieu qui va t'inonder et qui gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque la paix de Dieu t'inonde, Dieu te dit non, mon petit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas, je vais résoudre ton problème. Cette inquiétude va, tu la transfères. Tu la transfères à celui qui sait porter l'inquiétude, à celui qui sait résoudre les problèmes. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, vous savez qu'il y a certaines maladies aujourd'hui qu'on appelle psychosomatiques qui sont développées parce que nous pensons mal. Parce qu'il y a trop d'inquiétude. Parce que les gens voient la mort partout. Parce qu'il y a les difficultés partout. Et comme on n'arrive pas à les supporter, c'est tellement lourd. Lourd de supporter le chômage. Lourd de supporter la maladie. Lourd de supporter, des dettes, etc. À un moment donné, comme ça pèse tellement, la maladie finit par venir. L'AVC arrive. Et on est paralysé. Pourquoi? Parce que on a mal pensé. On a entretenu des mauvaises pensées. Et comme c'est le chagrin, c'est l'inquiétude, mais c'est un lien avec ton corps. C'est un lien avec le corps. Et comme c'est un lien avec le corps, ça va finir par t'affecter. Et malheureusement, tu seras sur la chaise roulante. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur.
Les mamans s'inquiètent trop. Trop. Elles portent le monde sur la tête. Elles portent les problèmes sur la tête. Parce qu'elles se disent que non, si elles ne font pas ça là, qui va encore faire? Non, mais Jésus est là pour ça. Jésus est là pour ça. Souvent on veut limiter le rôle de Jésus. Souvent on veut limiter le salut qui nous a été offert à la croix de Golgotha. En pensant aider Dieu dans nos situations. Non, mais tu ne peux pas aider Dieu. On nous dit qu'il a porté tout l'opprobre du monde. Il a porté toutes les maladies du monde. Il a porté tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde, Jésus a porté ça. Les problèmes passés, les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes à venir. Mais d'où vient-il que toi qui as des problèmes aujourd'hui, tu continues à porter tes problèmes? On nous raconte l'histoire d'une maman qui revenait des champs. Donc, il y a une voiture qui passait, qui a vu une maman avec une lourde charge sur le dos. Il dit, je vais quand même aider la maman. Donc, il prend la maman monte derrière. Et la maman continue toujours à porter dans la voiture. Elle a toujours son panier. Mais le gars dit, non, mais attends, je suis venu pour t'aider. Donc, descends de ma voiture. La maman est descendue. Parce que je viens pour t'aider. Mais toi, tu te dis, non, je dois porter ça. Je dois porter mes problèmes. Je dois porter mon fardeau. Donc, tu n'as pas besoin d'aide à un moment donné. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu veux mourir. Tu veux mourir dans tes problèmes. Tu veux mourir dans tes inquiétudes. Tu veux mourir avec tes fardeaux. Non, bien-aimé, Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour nous aider dans nos problèmes. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous pour être secouru dans vos besoins. Donc, c'est avec assurance qu'on va vers Jésus. J'ai l'assurance que lorsque je viens poser mes problèmes chez Jésus, mes problèmes seront résolus. Est-ce qu'on croit? Souvent, la parole qu'on donne chaque jour devient comme une litanie aujourd'hui. Et les gens n'y croient plus. Parce qu'ils se disent que c'est déjà entendu. Non. Comprends que la parole de Dieu n'est pas comme les autres paroles. La parole de Dieu est créatrice. Elle a la capacité de créer quelque chose en ta faveur, de créer un miracle pour toi. Ça veut dire que lorsque tu l'acceptes, tu as la capacité d'amener les choses vers toi, les choses positives vers toi, des événements positifs. Pourquoi? Parce que tu as accepté la parole. Mais si tu la prends comme un discours quelconque, mais tu n'en verras pas l'efficacité. Parce que tu négliges la parole. Oh, depuis le commencement, il n'y a que la parole. Avec la parole, on a créé le monde. Et la parole continue à faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Donc, considérons la parole. Lorsque la parole sort, la Bible nous dit que lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Est-ce que nous croyons? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que c'est déjà entendu? Est-ce que c'est déjà vu? Au point que aujourd'hui ça ne te dit plus rien. Non, je vous assure, même si tu ne vois rien, crois que la parole est en train de travailler. Non, c'est ça le topo en fait de la foi. C'est ça le topo de la foi. C'est-à-dire que la foi, même si tu ne vois pas, mais tu crois. Et c'est ça qu'Abraham a eu. La Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps usé. Non. Il n'a pas considéré ça. Ce qu'il a considéré, c'est que le Dieu qui lui a fait la promesse était capable de réaliser cette promesse-là. Alléluia. Donc, crois-le. Lorsque tu t'appropries la parole, lorsque la parole de Dieu retentit, tu la prends avec toi, elle est capable de créer quelque chose de positif dans ta vie. Alléluia. Surtout ce que tu attends. C'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce que Dieu nous a laissé.
Nous n'avons rien d'autre. Ce que Dieu veut nous donner, c'est ça, la parole. Quelque chose qui peut déclencher un miracle dans ta vie. Quelque chose qui peut déclencher un événement heureux dans ta vie. La parole. Alléluia. Mais le cœur peut stopper l'élan de la parole. Lorsque nous ne pensons pas bien, lorsque nous laissons autre chose que la parole s'installer dans nos cœurs, elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas d'effet. Et c'est notre responsabilité de créer une place ou de faire une place à la parole. Alléluia. Oh Seigneur. La parole a ceci de particulier. Lorsque tu l'écoutes, lorsque tu es convaincu, tu dois la reprendre et tu dois la proclamer. Romains dit, Romains 10, verset 9 à 10, verset 9 au verset 10, dit ceci. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire que c'est bien déjà. Dieu nous a justifiés. Dieu t'a béni. Parce que tu crois. Tu as cru. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Parce que tu as cru. Donc, en fait, le fait de croire là signifie que c'est possible. C'est possible. Ça peut arriver. Mais pour que ça arrive, pour que ça vienne à manifestation, la Bible te dit, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est en confessant maintenant. Donc, il y a deux choses à faire. Tu crois, c'est bien de croire. Ça veut dire que la chose peut déjà arriver. Ce que tu attends là peut déjà arriver. Tu crois, ça peut déjà arriver. Mais il te reste autre chose à faire. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, que tu parviendras à éliminer ce problème dans ta vie, que tu parviendras à éliminer le chômage dans ta vie, que tu parviendras à réaliser ce projet dans ta vie. Parce que tu le confesses, tu crois que ça peut arriver. Tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Tu crois que ta situation peut changer. Mais tant que tu ne le dis pas, tant que tu ne le déclares pas, mais ça ne peut pas changer, ça ne peut pas mobiliser les ressources pour venir à toi. Non. Parce que tu n'es pas allé à l'autre dimension, celle de la confession. Alléluia. La confession précède la possession. Alléluia. Lorsque tu confesses, non, sois-en sûr, c'est que les paroles que tu es en train de confesser là, non, ça ne va pas tomber. Non, en fait, tu les envoies en mission. Tu dis, tu vas arranger mon problème. Tu te débrouilles. Moi, je t'envoie en mission. Mais les anges sont là. Souvent, on pense qu'on est seul. Mais Dieu nous parle du ministère des anges. Ils sont là. Tu as tes anges qui sont là. Mais ils travaillent pour toi. Mais si tu ne dis rien, si c'est l'inquiétude qui est dans ton cœur, que tu ne fais que ruminer, ruminer. Oh Seigneur, j'ai mal. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça là qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Alors que c'est toi, le prophète de ta vie, pour changer les situations. Dieu nous fait roi et sacrificateur. Ça veut dire que tu es capable de décréter des choses, ces choses arrivent dans ta vie. Alléluia. Mais c'est toi. C'est moi. Tant que je ne dis rien, rien ne va se passer. Tant que tu ne dis rien, rien ne va se passer. Lève-toi et change les situations de ta vie. Alléluia. Non. Non, on aime souffrir. On aime avoir mal. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour changer les choses. Dieu nous a laissé tout. Alléluia. Change. Change. Tu es capable de changer cette situation. Dieu t'en a donné les armes. Tu es capable de changer. Il t'a donné la parole.
Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que nous attendons? Pour dire, merde, ça doit cesser. Je me débarrasse de ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Non. Non. Changeons. Tout cela arrive parce que mon cœur est rempli. Rempli d'amertume. Au point qu'on ne peut même plus lire la Bible. Au point que même prier pose un problème. Même prier. Mais comment vas-tu faire pour entretenir ta vie spirituelle? Si, à cause de l'inquiétude, tu ne peux même pas lire un verset de la Bible, peut-être que Dieu veut te parler. Si tu ne peux même pas prier. Vous savez, j'aime une partie de la prière. Non, c'est après. C'est moi, hein. Quand j'ai fini de prier là, souvent je suis tellement convaincu que Dieu va me parler quand je vais dormir. Non, je vous dis la vérité. Et j'aime ça. Après avoir prié, j'aime ça. C'est que après avoir prié là, je vais dormir. Je sais que Dieu va me dire quelque chose. Et je suis souvent convaincu. Et ce que Dieu dit, je vous assure. Non, mais vous le gardez jalousement. Vous le proclamez tous les jours. Et vous le verrez s'accomplir. Je vous assure. Alléluia. Non. Notre vie chrétienne est comme un œuf, comme on dit souvent. On doit savoir bien garder cette vie-là. Et parmi les choses à faire, c'est d'abord le cœur. Si tu sais entretenir ton cœur, le débarrasser de tout ce qui peut l'empêcher de faire jaillir la vie. Non, il y a beaucoup de choses que tu vas éliminer de mauvais dans ta vie. Et le cœur s'entretient avec quoi? Avec la parole. Quand tu es habitué à la parole, quand tu es habitué à écouter les prédications, voilà pourquoi c'est bien de venir à l'église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que Dieu sait que c'est bien pour nous. Tu as un ministère, j'ai un ministère, il a un ministère. Lorsque nous nous assemblons, peut-être que tu te dis que c'est parce que c'est moi qui parle, que quelque chose se passe. Non, mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Nous sommes des mêmes cœurs. Mais si tu penses mal, rien ne va se passer. Mais si tu es avec moi, si nous deux nous sommes en accord, quelque chose se passe. Non, ne pensons pas forcément que c'est le prédicateur qui fait le travail. Non, la façon dont tu penses, ça peut créer un mouvement. Ça peut créer quelque chose. Si tu penses bien. Et souvent, on constate que dans certaines réunions, il y a tellement d'onction. Mais ce n'est pas forcément le prédicateur. C'est parce que nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont ensemble. Et quand les cœurs sont ensemble, non, Dieu est content. Dieu est content, il vient déverser. Il vient déverser la vie. Il vient déverser ses bénédictions. Il vient déverser ce dont nous avons besoin. La joie, la paix. Pour foncer, pour continuer la lutte. Parce qu'il y en a qui viennent décourager. Lorsqu'il retrouve son frère, lorsqu'il retrouve sa soeur, non, il est encouragé à continuer. Lorsque le chante lance un cantique, non, ce cantique-là, non, il se souvient comment il avait donné sa vie au Seigneur. Il se dit, non, mais pourquoi abandonner? Est-ce que c'est à cause de ce problème-là que je vais abandonner? Non. Le ministère du chant a parlé. Alléluia. Non, sachons garder nos cœurs. Sachons garder nos cœurs. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage rapidement. Dans Philippiens 4, verset 19. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec grâce, avec gloire plutôt, en Jésus-Christ. L'apôtre Paul
était en train d'exhorter les chrétiens à donner. Il s'adressait aux Philippiens. Il donnait l'exemple aux Théliciens de la Macédoine, de Thessalonique, qui avait fait des dons. Il exhortait les Philippiens à faire autant, à donner avec une bonne disposition. Une bonne disposition. Lorsqu'on vous force, il n'y a pas de bénédiction. Lorsqu'on vous force, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu veut que les choses que nous faisons se fassent avec un cœur bien disposé. Avec un cœur bien disposé. Lorsque tu donnes, tu dois le faire avec un cœur bien disposé. Sinon, tu viendras donner comme un mondain. Tu viendras donner comme un mondain. Et tu n'auras pas, comme on dit, des rétrocommissions. Tu vas donner comme ça. Malheureusement. Alléluia. Mais derrière, lorsque nous avons un bon cœur, lorsque nous avons un cœur bien disposé, Dieu aime ça. Et Dieu aime se battre pour ça, pour ses enfants qui ont un cœur bien disposé. C'est en toutes choses, dans nos relations avec autrui, avec le prochain, avec un frère, avec une sœur. Est-ce que tu peux te dire que lorsque j'ai été vexé, par exemple, avant de répondre, je me dis d'abord, est-ce que ce que je vais dire, ce que je vais faire sortir là, ça va blesser ou bien celui qui va recevoir ça ne va pas se fâcher, par exemple. On nous demande de mûrement réfléchir avant de parler, par exemple. C'est-à-dire que même lorsque tu es fâché, tu te dis non. Cette chose-là, je ne l'apprécie pas. La personne-là va d'abord m'entendre. Il faut qu'elle m'entende. Est-ce que tu penses que lorsque tu vas donner soit ton argument ou bien ta façon de penser, ça va plaire à l'autre? Ou bien ça va davantage envenimer la situation? Est-ce que tu t'es souvent posé ce genre de questions-là? Que même si l'autre a fait l'erreur, j'ai une façon de lui dire que tu as fait l'erreur, qui ne va peut-être pas le vexer. Ou bien tu te dis, non, je m'en fous. Il va m'entendre. Il faut qu'il sache que je suis fâché. Il faut qu'il sache que moi, on ne me fait pas ça. Le docteur René Bé disait, mais tu dis qu'on ne te fait pas ça, mais tu es qui? Tu es qui? Tu penses que tu n'es pas un humain? Mais c'est aux humains qu'on fait ça. On peut mal te parler. Et puis quoi encore? On peut même t'insulter. Et puis quoi encore? Mais parce que toi tu es mon cœur. C'est parce que tu as la crainte de Dieu que tu vas te dire non, moi je n'ai pas à faire comme les autres. Je n'ai pas à faire comme les autres. S'il veut parler comme ça, il n'a qu'à parler comme ça. Mais moi, je ne parle pas comme ça. Non, mais c'est quand même terrible. Il y a certains, souvent, qui disent non. Il se dit, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Non, sinon, je me fâche. Si tu touches à ma mère, je t'assure. Non. Si tu dis, il dit non. Parce que pour lui, non. C'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Si tu touches à ma mère, je t'assure, non. Non, tu vas me connaître. Ou bien si tu touches à mon père, non, parle,
Bon, tu peux t'adresser à tout le monde, tu peux insulter tout le monde, mais ma mère, mais non, sois-en sûr, c'est que tu ne vas pas me reconnaître. Mais souvent, entre chrétiens, on a encore ce genre de langage-là. Donc, ça veut dire que si on vient insulter ta mère, tu vas te battre. Tu vas te battre. Tu vas dire, non, j'enlève d'abord mon costume de chrétien. Comme ça, j'engage d'abord les coups. Il saura qu'on ne s'amuse pas avec ma mère. Ou bien on ne s'amuse pas avec mon père. Non, il y a un raisonnement qu'on ne doit plus avoir en tant que chrétien. C'est vrai qu'il y a souvent des situations dans la vie qui nous rendent confus. Mais Dieu est là pour nous rassurer dans l'épreuve. Il dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Ça veut dire que même lorsque quelqu'un vient insulter ta mère, mais Dieu a déjà préparé un moyen de sortir. Il a déjà préparé un moyen de sortir. Vous savez, la colère, hein, on ne sait pas là où ça peut nous emmener. C'est une mauvaise conseillère. Elle n'a pas de limite. Tu peux te surprendre en train de faire une chose répréhensible. Et tu vas regretter toute ta vie. Parce que tu as été en colère. Et la colère vient du cœur. Vient de ce que nous entretenons des mauvaises pensées. Mais si tu arrives à ce niveau-là, à un moment donné, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors que nous sommes là pour Dieu d'abord. Et non pour les hommes. C'est vrai que tu aimes bien ta mère. Mais au moment donné, tu peux te passer de la colère. Tu peux tourner la chose autrement. Tu aimes bien tes enfants. Tu peux tourner la chose autrement. Tu aimes bien ton mari. Tu peux tourner la chose autrement. Tu aimes bien ta femme. Tu peux tourner la chose autrement. Parce que Dieu nous donnera toujours le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10:13. Toujours. Lorsque nos cœurs sont bien disposés à agir, lorsque nos cœurs sont bien disposés à prendre de bonnes décisions, tu te dis non, mon cœur ne m'appartient plus, il appartient au Seigneur. Donc je fais attention à ce que je pense. Je fais attention à la façon dont je malaxe mes pensées. Je fais attention parce que avant que ça ne sorte, je dois d'abord les tamiser. Avant que ça ne sorte. Sinon, je vais faire des dégâts. Il y en a, lorsqu'ils parlent, ils ne font que des dégâts. C'est comme si leurs paroles étaient des munitions. Quand ils commencent à tirer sur les gens là, non, tu te dis non, ça c'est quelle façon de parler. Non, le chrétien ne doit pas être comme ça. Il faut savoir garder ton cœur. Dispose bien ton cœur. Et le cœur s'entretient par la méditation. Le cœur s'entretient par la lecture de la Bible. Le cœur s'entretient dans la prière. Le cœur s'entretient par des louanges. C'est comme ça qu'on entretient son cœur. Et lorsque tu entretiens bien ton cœur, je t'assure que tes progrès seront évidents. Tu vas voir comment ta vie chrétienne est en train d'aller de l'avant. Dieu va te montrer certaines choses. Tu auras des visions. Dieu va te montrer ça. Lorsque tu vas aller dormir le soir, Dieu va te montrer quelque chose. Parce que ton cœur est bien disposé. N'oubliez pas que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est question des sources de la vie. Ça veut dire ce qui te bénit, ce qui te rend heureux, ce qui te rend libre, ce qui t'épanouit. C'est ça les sources de la vie. Est-ce que tu vas sacrifier les sources de la vie à cause des mauvaises pensées? Est-ce que tu vas sacrifier les sources de ta vie parce que tu es en colère? Est-ce que tu vas sacrifier les sources de ta vie parce que tu ne veux pas pardonner? Est-ce que tu vas sacrifier les sources de ta vie à cause des inquiétudes dont Dieu veut que tu te débarrasses? Tu vas sacrifier les sources de ta vie. Dieu te dit, les sources de ta vie sont là, disponibles. Mais à toi de bien entretenir ton cœur pour les laisser jaillir.
pour les laisser arriver dans ta vie. Quelle source de la vie attends-tu? Qu'attends-tu de Dieu? Tu es dans quelle situation en ce moment? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'as-tu demandé à Dieu? Les sources de la vie sont disponibles. Mais tu peux les arrêter. Tu peux les étouffer. Tu peux mettre un garrot. Tu peux mettre un bouchon pour qu'elles ne jaillissent pas. Le bouchon, c'est la mauvaise pensée. Le bouchon, c'est les inquiétudes. Le bouchon, c'est ce que tu entretiens qui n'agrée pas Dieu. Caïn l'a fait. Mais je veux te dire ce soir, débarrasse-toi de ces choses-là. Les sources de la vie veulent couler. Tu en as besoin. Ne sois pas un sadomasochiste. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à la douleur, qui aime la douleur. Non. Il y en a qui sont habitués. Ils se disent, non, je suis comme ça depuis. Non, je préfère rester comme ça. Non. Ce qui est sûr, c'est que ta volonté profonde, tu ne veux pas ça. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux la bonne vie. Tu veux l'épanouissement. Mais Dieu te dit, garde ton cœur. Vous me laissez travailler. Garde ton cœur. Je veux m'occuper de toi. Garde ton cœur. Je veux enlever cette situation qui t'embête. Garde ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder à ton cœur maintenant? Nous allons prier. Regarde à ton cœur maintenant. Qu'est-ce qui envahit ton cœur? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui envahit ton cœur? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Tu entretiens quel genre de pensées? Des pensées de colère? Des pensées d'échec, des inquiétudes. Tu entretiens quoi? Des pensées de péché. Qu'est-ce que tu entretiens? Dieu dit, débarrasse-toi de ça. Je suis venu pour toi ce soir. Je suis venu te faire du bien. Je veux faire jaillir dans ton sein des fleuves d'eau vive, les sources d'eau vive. Je suis venu m'occuper de ton problème, mon frère. Mon enfant, je suis venu m'occuper de toi. Mais débarrasse-toi de ça. Faisons un troc. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi tes inquiétudes. Donne-les-moi. Donne-moi tes problèmes que tu entretiens, tes inquiétudes. Donne-moi ça. Donne-moi ton péché. Caïn n'avait pas compris ça. Il n'avait pas compris. Caïn avait un avenir glorieux. Mais il a choisi d'entretenir les mauvaises pensées. Et malheureusement, ses pensées ont fini par l'emporter. Mais toi, ne sois pas dans ce cas-là. Dieu a besoin que tu lui livres ton cœur tel qu'il est maintenant. Ne le cache pas. Ne le cache pas. Donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Il saura quoi faire. Laisse Dieu, laisse le Saint-Esprit, laisse-le travailler là. Alléluia. Il commence à travailler. Il commence à agir dans ton cœur maintenant. Il commence à enlever les inquiétudes. Il les enlève au nom de Jésus. Alléluia. Il commence à enlever les problèmes qui t'assaillent. Il commence à te les enlever. Il enlève la colère. Il enlève même la méchanceté. Les mauvaises pensées que tu entretiens vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta mère, de ton époux, de ton épouse. Oui, Dieu enlève ça ce soir. Dieu enlève ça pour faire jaillir les sources de la vie, pour faire jaillir ce qui va te rendre heureux, pour faire jaillir ce qui va t'épanouir, pour faire jaillir ce qui va te faire réussir.
Oh, Yokoso Yamaya. Oh, Seigneur. Dieu, enlève ça ce soir. Le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ton cœur. Alléluia. Il vient pour travailler ton cœur ce soir. Rends ton cœur disponible. Le Saint-Esprit veut travailler. Il veut te débarrasser de tout ce qui empêche les sources de la vie de jaillir, de te faire du bien. Oh Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus déclare que le Saint-Esprit est sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé ce soir. Le Saint-Esprit est là pour enlever. Pour enlever. Oh, ce qui te fait mal. Ce qui te fait mal. Ce qui donne l'aigreur dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient enlever cela. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ton action. Tu es venu guérir les cœurs ce soir. Alléluia. Le cœur est l'élément essentiel pour avancer dans la vie. Alléluia. Pour composer avec toi, Seigneur. C'est l'élément essentiel. Et tu es venu guérir un cœur. Je te bénis de ce que ta présence nous fait du bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Les cœurs sont libérés ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les sources de la vie qui jaillissent dans la vie de mon frère, qui jaillissent dans la vie de ma soeur. Au nom tout-puissant de Jésus. Oui, les sources de la vie jaillissent maintenant. Au nom de Jésus. Rien ne peut plus bloquer ces sources. Rien ne peut plus bloquer ces sources. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Ces sources jaillissent maintenant. Alléluia. Ces sources jaillissent. La santé jaillit. Au nom de Jésus. Le travail jaillit. Le succès jaillit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les solutions jaillissent maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Les portes s'ouvrent en ta faveur maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, ton caractère, alléluia, est travaillé par le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, tu deviens quelqu'un de doux maintenant. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un bon caractère. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est sociable. Au nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, il te fait du bien. Il te fait du bien. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Toi qui au sortir d'ici va continuer à travailler nos cœurs afin que les sources d'eau ne tarissent jamais. Ne tarissent jamais. Mais qu'on soit toujours inondé de ces sources. Parce que c'est ce que tu veux. La Bible déclare dans Jean 10:10 que tu es venu pour donner la vie à tes brebis et la vie en abondance. Ce ne sont pas des paroles en l'air, Seigneur. Tu veux qu'on vive l'abondance. Et je déclare l'abondance dans la vie de tes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'abondance. Oui, tu veux que nous vivions l'abondance, Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans l'abondance, on sait bénir les autres. Alléluia. On sait venir en aide aux autres. C'est ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je proclame cette abondance. Au nom de Jésus, dans chaque domaine de ta vie, tu expérimentes l'abondance. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a tari, alléluia, reçoit l'abondance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse la sécheresse dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je proclame l'abondance. L'abondance. L'abondance dans ton ministère. L'abondance dans ton foyer. L'abondance dans tes finances. L'abondance.
l'abondance. Tu vis l'abondance. Alléluia. Aya kosayuma ya kasayama. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois ce soir pour cet enseignement même? Acclame le roi des rois ce soir, je dis. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Seigneur ce soir pour cet enseignement merveilleux. Je veux te dire ce soir que... Au son de la